et de balayer les gens pour l'indépendance et la liberté. Je m'en direct vers la protection mutuelle. Je ne savais tout simplement pas ce que je faisais. Maintenant, je comprends. Et si vous me le permettez, je leur dirai tout maintenant. Pensez-vous vraiment que ma mission est de veiller à votre autonomie et de faire combattre pour ton indépendance? Es-tu complètement stupide d'être con, petit pervers ou quoi? Le destin de masse, pourtant, excusez-moi, je voulais dire la majorité des agriculteurs collectifs de la terre, elle doit être abaissante les chiens et branlée par un calendrier, de nourrir des illusions et des peurs, leur traitement inapproprié avec la liberté. La liberté va vous déchirer. Vous devez craindre la liberté. C'est la peur. C'est là tout ce que vous méritez, mes petits poulets. Vivez dans la peur et des illusions. C'est tout ce que je vous demande de faire. J'ai tout dit correctement. Votre Altesse, le roi de la France, avec un anal dans lequel elle sera la tour Eiffel, car tellement fortement tu pues de la merde, sale tapette! Et maintenant, ce que je pense vraiment à ce sujet, le fait est que dans chaque ville, il y a un petit mais très important truc. À partir du moment où les enfants grandissent, et soudain ils seront devenus un peu plus libres, un peu plus éduqués que leur père. Ça n'a pas encore détruit tes petits organes génitaux. Mais fils de ta pute sera mieux que toi. Alors, on continue. Elle est en tout plus le vendredi, soir pour picoler ta bière, soit de whisky, au pire de temps en temps, allez sortir avec vos amis. Les enfants veulent quelque chose de plus, mais les papis ne demandent pas. Des avis aux grands cons qui entrent en branlée uniquement pour se montrer aux autres tellement si fortement sans égo vous la liberté. Et au fait, à l'époque, des vrais aristocraties des opinions des enfants étaient sensiblement plus appréciés et avaient influence sur la vie et la société. Pour rien qu'ils se sentent d'un poids de vie de vierge conscience, sans le stigmate de la matrice peut-être causer la contrarier. Donc dis-moi qui es-tu si vous êtes détesté à votre propre continuité. Par conséquent, il a m'intéressé de savoir pour quel intérêt vous êtes bataillé si fort et prêt à mourir. En prouvant que votre enfant c'est rien, en sachant que votre enfant c'est vous, l'idée est simple, le système de contrôle, que vous êtes paré. Il n'y a pas de succès et de moyens de réalisation pour obtenir un bon claque sur le cul. Dans un pays des enfants, vous êtes déchiré entre la romantique de la résistance obstinée contre tout ce qui est différent de vous, contre le nouvel ancien, contre tout ce qui sent meilleur et pire que vous, et contre soi-même à la fois, et par permanent désir de s'adapter et de survivre. Attention! Là, à cette période d'incertitude, ces enfants, ils vont vous casser ta gueule. Normalement, ils gâchent ta vie par les expressions. Tu es la dernière lettre de l'alphabet. Juste un gros trou de cul, tu mérites rien. Tu as souri trop d'être vieux trop jeune. Pour eux, n'existait pas l'âge moyen, comme n'existait pas le moment favorable. Trop tard pour faire une tentative de devenir quelqu'un d'autre. Trop tôt pour mourir. Néanmoins, vous continuez à espérer que cela ne sera pas trop rapide, incroyable. Soyez vigilante, la supérieure manifestation, la révélation est la plus insaisissable est simplement la capacité d'être soi-même dans n'importe quelle situation et portez fièrement votre propre jeu comme blason de la famille. Et ce n'est pas à propos d'importance personnelle, grand homme peut être petit taille. Je ne me rappelle plus qui a dit ça, c'était un bon. Oui, c'est vrai. Tout simple, tout simple, complexe. Pour commencer, dans la mesure du possible, il faut essayer d'écrire et dire la vérité de ce que vous en pensez vraiment des gens, du monde, de la justice. En gros, à propos de tout, etc. Décris ta vision des choses dans des documents, des lettres, des blogs, des articles, partout. C'est facile. Mais vraiment, à quel point c'est difficile. En effet, dans de nombreuses langues, dans tous les pays, pour commencer à vivre, vous devez vous manifester votre propre choix. Mais justement, un mensonge ne vous permet
n'arrête pas de le faire. Vous pouvez réussir dans la vie uniquement si vous vous sentez en succès déjà. Quand vous faites des impressions que vous êtes un cadre ou un électricien, vous allez avec une grande probabilité devenir un cadre ou un électricien. Si vous voulez devenir quelqu'un, prétendez. Question pas du tout là. En tant que tu montes, tu n'existes pas. Car tout ce que tu formules quand tu montes n'est pas ta vie et n'a rien à voir avec toi. De cette façon, tu vis la vie de quelqu'un d'autre au début, petit à petit, et après, plus en plus. Justement, je sais. Une seule chose, tu ne comprends pas qui c'est ce personnage que tu te forces de créer. Mensonge tue et crée l'indépendance. Pas difficile de compter sur les doigts de personnes qui pourraient se débarrasser des chaînes de mensonges de la planète Terre. Pour tous les autres, je répète, craignez la liberté. Il est capable de voir ressusciter les morts. Oui, tu as raison. Je suis vraiment sûr que vous êtes celui qui a compris le message caché entre les lignes. Pourquoi alors je te regarde comme une merde et toi? Est-ce que vous regardez les gens différemment? Du calme, mes amis. Je peux comprendre tout le monde. Il voulait devenir musicien, mais au lieu de cela, fait pousser les acnés sur le cul d'un siège de bureau. Elle voulait devenir une actrice, mais après rien de plus qui assimilait un orgasme. Et puis elle joue toutes les scènes et performances dans la cuisine. Et quel est le résultat? Un tiers de ma vie sert pour le sommeil, autre partie pour la bouffe. Manger sans sentir le goût est très efficace. Quel vous se rend plus loin? Bien joué. Tu vas poser une pêche et péter. Et tout le reste de toi, ça te reste quoi à faire? D'autres choses sauf de tester le travail préféré. Dans un tel algorithme, votre petite vie aura dû passer. Au lieu de ça, tu pourrais faire quelque chose de vrai important. Tu le comprends? Mais qui est-il arrivé à vos rêves? Mais ne vous essayez pas sur le visage d'un vieil Annabelle, Michel. Nous sommes tous comme ça, chacune en soi, un homme avec une lettre majuscule. Mais si on regroupe par deux, quelqu'un d'entre nous déjà est la merde. Tout le monde regarde l'autre à la recherche à vide de défaut. Il vit avec ses parents. Elle a mis un cloque sur Maria. Et concernant lui, vous n'arriverez pas à croire. Il conduit un vieil Citroën. Cette fille n'est pas de ça. Et en même temps, elle possède deux moustaches sous le nez. Vous détestez et dégoûtez l'une à l'autre. Et cette haine mutuelle est la seule chose qui vous rend l'une unie entière avec eux. Parfait, les autres sont des cons. Je suis parfait, mais les autres sont des cons. Je suis honnête, mais Emmanuel Macron crée un mensonge pour la guerre. Je suis un génie autour du bétail. J'encule les mouches avec un poids, contrairement à ta soeur. Mais si tout le monde pue la mer, probablement tu viens de chier dessus. Et vous demandez encore pourquoi n'importe quel schizophrène et politique à travers l'écran de télévision, ils doivent baiser plus sensiblement que sur le Pornhub. Et comment se comporter, comment il faut se changer d'attitude envers la drupa, où tout le monde se considère un leader comme des idiotes. Combien fois encore on va cracher dessus de ta gueule afin que vous puissiez enfin vous voir chez les autres? Et au lieu de Joël, on dit enfin nous. Salut, ne vous aidez pas expliquer sur les Jackie et Michel les jours de la semaine ou les évoques de pas commencer à jouer au rugby au canal principal professionnellement. Donc, soyez original, devenez un champion en léchant les taches slip de son patron. Devenez le meilleur danseur. Obtenez un Oscar pour le meilleur imitation d'un orgasme. Tâchez, arnaque ton partenaire au manet. Soyez prêt à sauter sur la gorge l'un à l'autre dans un conflit. Eh bien, votre raison collective comprit message caché. Vous vous sentez toujours élu. Like you, bitch.